Salut à tous, ici FryzenHD. Nous voilà pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je vais commencer par vous parler du gameplay. C'est un ami qui dormait chez moi un soir et qu'il s'est tapé mob pendant que moi je dormais. Enfoiré. Bah, il s'est tapé même plusieurs mobs. Et je sais pas comment il a fait, mais voilà quoi. Bah, je n'en fais aussi quelques-unes, mais c'est pas le même. Bon. Du coup, il m'a proposé de. Bah, le lendemain, il m'a proposé de envoyer ce gameplay à Code QG, Code CF, Le Bon Plan du Geek et tous les Nuxon, voilà quoi. Petit dédicace à eux. Et allez voir leur chaîne. Bon. Je vais vous parler de ses classes et ses armes. Il jouait avec deux armes, mais il a ramassé. Le Scarel, mais joué principalement au fusil à pompe. Et c'était au Space 12 dégâts en or. Bon, sa classe c'est grenade frag, radar portatif. Les atouts c'est. Attendez que je me rappelle. Indétectable pour viser, bah, pour éviter de se faire tuer par des hélicos. Je pense que tout le monde le sait, ça, je pense. Ouais, c'est mon avis. Après, il joue avec bonne gâchette, je sais pas pourquoi. Mais c'est ses choix. Après, il joue avec Tracker pour se déplacer tout en visant et bah, marcher plus vite. Je vous conseille cet atout, il me l'a fait découvrir. C'est vraiment un massacre. Parce que moi, au début, je me disais, ouais, ça va pas marcher. Au jugé, ça va pas. Je vais pas faire un carnage au jugé. Et je me suis. Bah, j'ai essayé. Et au contraire, c'est. On fait un massacre car les balles partent partout sur leur corps, bah sur le corps des ennemis. Du coup, on les a facilement. Et voilà quoi. Bon, je vous parlais un peu du Space 12. Comme vous savez, je pense la plupart sur Modern Warfare 3, le Space 12 n'est pas puissant. Mais niveau 28, on débloque dégâts et c'est un massacre. Sérieux, je vous conseille de le monter, mais tout avant, pour le monter, il faut avoir une bonne connexion, parce que sinon, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous êtes sûr de faire que des hitmarkers et c'est vraiment chiant. Voilà. Bon, là, il a débloqué tous ses atouts spécialistes il y a même longtemps, je vais vous le dire, mais quand même, voilà quoi. Là, il est dans le respawn ennemi. Je sais pas comment il fait, et les mecs qui répondent devant eux, vous allez voir après, je vous dirai quand. Je pense que c'est juste là. Il va faire le tour. Et voilà, c'est juste là. Vous pouvez voir quand même que les spawns ils sont mal faits, mais après c'est mon avis, je vais pas commencer à critiquer ce jeu. Ouais, parce que j'y joue, je trouve très bien. Ça dépend les moments. Mais voilà. Bon, là je vais passer un petit coup de gueule car l'autre coup j'ai débloqué le mob en 1v1, 1 contre 1 si vous préférez, sur Erosion, les nouvelles maps sur Xbox 360. C'est gratuit, hein. Je vous conseille, si vous allez à Xbox et vous savez pas, allez les télécharger, vous allez les trouver. Et je l'ai publié la photo sur Facebook de où je débloque ma mob. Tout se passait bien et tout d'un coup je reçois plein de commentaires, c'est du boost. Etc. Mais les mecs, sérieux, ceux qui pensent ça, arrêtez de regarder les vidéos si c'est pour pourrir. C'était pas les vidéos, mais je sais pas comment vous expliquer. Mais sinon, c'est pas grave. Mais quand même, j'étais très énervé car je débloque une mob et tout le monde critique. Et au passage, il a débloqué sa mob. Une petite dédicace quand même, parce qu'il a quand même géré le rusher à mort. C'est pour ça qu'il m'a demandé de la poster. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, d'aller voir la chaîne. Bah, les chaînes plutôt. De Code QG, Code CF, Le Bon Plan du Geek et Nuxon. C'est des très bonnes chaînes communautaires. Je vous conseille d'aller voir ces chaînes. Plutôt, je vais parler français quand même. Je parle déjà français, voilà quoi. Voilà. Et en fait, c'est des chaînes communautaires qui rassemblent presque toute la communauté YouTube et Call of Duty, par contre, voilà quoi.
Mais sinon là je vous parlais un peu de ma chaîne YouTube. Bon, j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a de ce temps-là, il y a 8 mois. Presque 8 mois je pense. Un truc comme ça. J'ai 180 abonnés aujourd'hui. Et je fais des vidéos sur Minecraft, Call of Duty. Un peu moins Call of Duty, mais je m'en fais un peu. Quand même, voilà quoi. Et je vous parlais aussi, c'était de... Quelle arme? La Scarelle. Ah oui, la Scarelle, c'est une très bonne arme aussi, mais le seul souci, c'est que... Comment vous expliquer? Quand il n'y a pas de viseur laser, bah moi je pense qu'elle bouge trop. Mais sinon après vous mettez un viseur laser, c'est une arme excellente. Moi je trouve que la communauté la délaisse un peu. C'est pareil avec le Space 12, quand vous débloquez les bons atouts, etc. Vous faites un massacre. Voilà quand même. Essayez de jouer avec plusieurs armes, différencier les armes. Et voilà. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les atouts les spécialistes. Si vous voulez gagner la blinde d'XP dans des parties, etc., jouez en spécialiste et en zone de largage, c'est dans la truc de communauté, je me rappelle plus très bien. Mais sinon, c'est excellent. Comment vous expliquer, vous avez indétectable pro. Vous prenez une arme genre Acer ou quoi. Si vous aimez pas trop cette arme. Tout le monde dit que c'est cheaté, mais sérieux, ces armes ne sont vraiment pas cheatées, c'est juste parce que la communauté utilise un peu trop les mêmes armes. Mais cela, c'est pas grave. Mais voilà quoi. Ah oui, je vous parlais avec Indétectable Pro, vous tirez sur les hélicoptères qui donnent les colis. À chaque fois, vous mettez à peine un chargeur, vous. Bah vous détruisez l'hélico. Moi je trouve ça assez utile quand même. Comme ça vous faites la blinde de points. À chaque fois vous faites 200 XP par hélico. Et comme il y en a plus de au moins 40 dans la partie, si vous les détruisez tous comme ça, vous êtes sûr d'avoir la blinde d'XP. Et voilà, ce gameplay touche à la fin. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube et liker la vidéo. Allez, ciao.